L'hôpital public est aux abois, il n'y a plus un sou. Avant, aux heures de pointe, on pouvait attendre 3-4 heures, maintenant on attend 3-4 jours. Il y a des morts aux urgences, il y a des morts parce que le SAMU ne répond plus, parce qu'il n'y a plus assez de médecins pour réguler le SAMU, ou il n'y a plus assez d'ambulances, plus assez de personnel. C'est la honte intégrale, on se fout des Français. Tout ça parce que je pense qu'il y a une mission du gouvernement actuel de vendre les hôpitaux publics une fois qu'ils seront complètement en ruine aux fonds d'investissement américains.